Compte tenu du nombre de rumeurs sur l'iPhone 13, nous avons une idée à quoi nous attendre. Une mise à jour qui conserve le design plat de l'iPhone 12, tout en introduisant quelques nouveaux ajouts. Même le téléphone de l'année dernière n'a pas ajouté grand-chose au-delà de la métamorphose visuelle, la 5G et le MagSafe. Nous sommes donc curieux de savoir comment Apple convaincra les consommateurs d'acheter l'iPhone 13. Cependant, les rumeurs constantes sur l'iPhone 13 nous ont donné beaucoup à attendre et nous sommes intrigués par ce que nous avons entendu. Voici les plus grands changements de l'iPhone 13 que nous prévoyons pour 2021. Oui, la fameuse encoche restera probablement, même après que la plupart des téléphones Android seront passés aux encoches Goutte d'eau. Certains rapports suggèrent que ce serait 30% plus étroit que celui de l'iPhone 12. À ce stade, nous sommes assez habitués à l'encoche, et encore plus habitués au retour d'Apple dans les tendances de l'industrie du téléphone. Étant donné que la découpe contient toujours plusieurs capteurs nécessaires à l'identification du visage et à d'autres authentifications, le passage à une seule caméra serait un grand changement. Celui-ci est un peu plus technique, mais les rumeurs suggèrent que la batterie de l'iPhone 13 pourrait prendre moins de place dans le téléphone. L'analyste Ming-Shui Kuo prédit qu'Apple passera à la technologie des surfboards pour conserver la même capacité. D'autres rumeurs suggèrent que le téléphone utilisera une corde de circuit imprimée flexible pour emballer plus de capacité. Une durée de vie de la batterie plus longue est toujours bonne, d'autant plus que les téléphones vieillissent et que les versions ultérieures d'iOS épuisent la batterie plus rapidement. Mais le véritable avantage d'avoir plus d'espace dans le téléphone, c'est de faire de la place pour des mises à jour comme des capteurs d'empreintes digitales sur l'écran ou des bobines pour les chargements sans fil inversé. D'accord, celui-ci est un peu plus improbable étant donné que nous venons juste d'en entendre parler, mais une photo divulguée montre prétendument une nouvelle disposition de caméra frontale qui soi-disant permet l'authentification Face ID, même lorsque les sujets portent des masques ou des lunettes brumeuses. La photo tweetée par le leaker John Prosser, avec des informations sur le front page tech, montre les caméras et les capteurs placés à l'intérieur d'un étui enroulé autour d'une unité de l'iPhone 12. La fuite suggère que l'iPhone 13 utilisera ces caméras-là au lieu de celui de l'iPhone 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.